Hey, salut à tous, c'est Ryu et le lundi avec moi c'est GoldenEye64. Donc la semaine dernière nous avions fait la partie des deux niveaux, donc il m'a fallu un bon paquet de temps pour... Enfin la semaine dernière pour vous, il y a 3 secondes et demie pour moi. J'ai enfin réussi à finir ce niveau là que j'arrêtais pas de fail pour diverses raisons. Et donc là nous arrivons à la suite, donc Saint-Pétersbourg, mission 6, partie 2, les archives militaires. Avec comme objectif d'échapper à la salle d'interrogation, de trouver Natalia et de se barrer avec elle. Donc, on va faire ça tout de suite. Je pense que cette fois-ci je ferai qu'un seul niveau. Donc ouais, je tournais deux épisodes à la suite parce que à cause de ma... Ok les mecs, merci de me laisser une arme comme ça. Ouais, à cause de ma charge de taf avec les cours, je me permets de tourner dès que je peux les épisodes pour éviter que vous ayez du retard pour le peu de personnes qui me suivent, en espérant que ça monte dans peu de temps. Mais voilà, c'est vraiment, je préfère tant que j'ai la possibilité de pas pouvoir décevoir grand monde, de vraiment faire ça bien tout de suite. Les mecs ils y vont, lance-grenade quoi. Ouais, je préfère vraiment faire ça bien dès le début, parce qu'après c'est des mauvaises habitudes qui se prennent. Mauvaises habitudes de pas tourner les trucs dans les temps. Et franchement, j'ai pas envie de la prendre celle-là. Donc, on tourne. Tant qu'on peut. Allez, on trace. Il faut trouver la Natalia. En espérant qu'elle soit pas trop planquée, parce que j'ai plus aucune idée d'où elle est planquée, elle. Ah, je crois que c'était dans le camp, il devait y avoir, voilà, des portes. Ah, Sharon! Elle est toute crevée. Un bon James Bond, je me bats au flingue. C'est comme ça que ça marche. Et comme un bon James Bond, je suis paumé. Allez. Ah, elle est là. Merde. Voilà. James, I'm scary, I'm getting out of here. En gros, j'ai la trouille, on se casse. Je suis vraiment en train de finir les niveaux super vite, je commence enfin. C'est à la fin du jeu que je vais commencer à gérer comme une bête les parties. Ce qui me déplaît pas plus que ça en même temps. Que je sais que certains d'entre vous qui me suivent sont... Il y avait bien que ça à faire. Et voilà, Escape with Natalia. Certains d'entre vous qui me suivent sont pas des grands fans de ce jeu. C'est pour ça que j'essaie de finir ça au plus vite. Ok, escape with Natalia, fail. Tout ça parce qu'elle devait pas être derrière moi celle-là. Donc on recommence. Ah là là. En même temps j'avais mis 2 minutes pour la mission, c'était un peu très court. En même temps, comme ça, vous pouvez voir ce qu'il faut pas... Mais il est débile lui, il avait pas pris le... Je suis en train de perdre des points de vie parce que ce débile avait pas pris les munitions sur lui quoi. Ouais, comme ça vous pouvez voir ce qu'il faut pas faire dans le jeu, donc comment ne pas foirer les missions. Donc là par exemple vous voyez, il faut pas se barrer sans Natalia, même si c'est la première chose que vous avez envie de faire. Comme tous les personnages féminins qu'il faut sauver dans les jeux. Vous avez qu'une envie, c'est de les laisser crever dans leur coin et de vous barrer. Mais bon, comme on est gentil, comme on est mignon, comme on est naïf, on sauve la gentille demoiselle. Et en plus je viens de me prendre une caisse explosive dans la tronche. Allez. On rush. On fait ça propre, on fait ça bien. Voilà. Là. La Natalia. J'ai pas crevé. Ok. J'ai pas tout compris. Je l'ai pas crevé la Natalia, j'espère.
Rassurez-moi. Find Natalia. Escape with Natalia, fail. Bon bah, à bord, hein. Ça se trouve finalement, je vais bien pouvoir faire que cette mission-là. Bon bah, deuxième manière de perdre. En fait, je vais vous faire un walkthrough version fail. Donc en gros, voilà quand même ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas se barrer sans Natalia. Il ne faut pas buter Natalia, même si vous en avez grandement envie. Comme moi là, parce que je commence un peu à en avoir marre de perdre à cause d'elle. Je vous rappelle que on s'est fait choper et interroger par les... par l'armée russe juste parce qu'elle s'est fait choper derrière elle. Et en plus, elle s'est TP au niveau de l'armée russe. Oula, non mais les mecs c'est des ninjas. Ah d'accord, ils descendent les escaliers, c'est pour ça que ça fait... Les mecs tranquilles, ils ont deux flingues, ils font ça comme des pimps. Hop. Vous avez pu voir, lui quand il tire, il croise ses flingues, c'est trop... C'est la classe, c'est la classe, je dis pas le contraire. Ah, elle est pas mal non plus, celle-là. De toute façon... Oh oui. Comme dans beaucoup de jeux, les flingues sont assez puissants. Parce que c'est pas des armes qu'on prend forcément. Ce qui fait que pour leur donner un intérêt, les développeurs souvent... Bon, j'ai pas pris le gilet pare-balles, vu que j'ai pas pris le même chemin. Ce qui est un peu une grosse erreur de ma part. Je vais éviter de foncer dans le tas avec des mecs derrière moi, parce que c'est le meilleur moyen de tirer sur Natalia en rentrant. Voilà. Et là, je fonce. J'esquive lui qui va essayer de lui tirer dessus. Lui qui essaie de me buter tout simplement. Voilà. Donc moi, maintenant, mon boulot, c'est de la suivre. En espérant qu'elle se barre pas sans moi, cette dinde. Parce que oui, Natalia est une dinde. Vous pouvez le voir, et d'ailleurs les gardes en ont absolument rien à carrer de sa vie. Elle est passée où? Elle est passée là. Elle est passée là. James! Oui. Qu'est-ce que t'es moche. Est-ce que tu veux me suivre maintenant? Ok, donc la fille en gros on vient la sauver. Mais elle vient nous chercher dans notre... dans notre salle d'interrogatoire. Pour sûrement nous aider à fuir une salle d'interrogatoire qu'on a quittée pour les... Bref, c'est un peu débile, comme souvent ces trucs-là. On va vite essayer de trouver la sortie que j'avais trouvée tout à l'heure, parce que oui, c'était la bonne sortie que j'avais pris. Je ne rigole pas, la quête et la mission était bien de péter une vitre et de sortir de là. Par contre, je ferai sûrement que cette mission-là, même si elle est assez courte. Parce que si je dis pas de bêtises, la mission d'après, elle est particulièrement longue. Bon bah voilà, on est arrivé. Maintenant, il faut juste attendre que Natalia arrive. Hop. Allez, Fifi. On bouge ses fesses et on arrive. Ah, cette envie de lui mettre une balle, sérieux. Ah donc pour vous expliquer dans le principe, comme sur la manette de N64, les comment, il n'y a qu'une seule gâchette, les flingues tirent, voilà, là à chaque fois je clique sur la, ouais voilà, et ça me fait une mission de next 3 minutes, et c'est quoi là, ouais c'est le prochain, c'est le... Non, je vais arrêter là, ça fera un épisode très court sur un seul niveau, mais bon, si j'ai vraiment peur de pas avoir le temps maintenant de tourner cette mission-là. Donc, et puis de toute façon, les vidéos courtes, et c'est pas plus mal à regarder, ça vous en fait beaucoup moins à regarder d'un coup. Et moi, ça m'en fait moins à monter. Donc voilà, donc je vous remercie à nouveau, comme toutes les semaines, tous les épisodes, de m'avoir suivi. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo si vous en avez envie, surtout à laisser des pouces verts et des commentaires, ce qui me ferait extrêmement plaisir et qui me permettrait de
continuer dans les meilleures conditions possibles, parce que c'est vrai que pour un youtubeur, ne pas avoir énormément de vues au bout d'un moment, c'est un peu déprimant, même si moi ça, jusqu'à maintenant, ça m'a pas particulièrement dérangé. Et ben donc je vous dis à vendredi, à lundi prochain pour une autre vidéo sur GoldenEye. Vendredi pour un 20 minutes sous les cubes avec Foch toujours. Donc je sais plus, on a tourné un mois entier, pour un mois entier, donc je sais pas quel épisode sortira au moment où vous regarderez cette vidéo, si vous la regardez tout de suite. Et sinon, j'espère que j'aurai pu commencer les tutos de Restone au moment où vous regarderez cette vidéo, donc voilà. Allez, ciao ciao.